Eh bien, salut à toutes et à toutes les amis, c'est Raptor Z, et aujourd'hui on se retrouve sur la nouvelle partie de The Darkness 2. Et donc du coup, nous allons continuer la partie sans perdre de temps. C'est parti, go! Oui, réduis-les en morceaux. Ok les amis, donc rappelez-vous, dernièrement nous sommes arrêtés ici. Oh là! Attention! Embuscade! Maintenant! Oh merde! Ok, donc dernièrement nous sommes arrêtés ici. Pourquoi? Parce que on s'est fait attaquer, on a été comment dire, pris au piège, donc dans le club là, de striptease. Enfin, je sais plus trop ce que c'était un bordel, bref. Et donc du coup. La confrérie veut tout simplement récupérer Jackie avec le Darkness. Hop. Dépêche-toi. Oh là, là j'ai du mal, donc là il faut que je dégaine. Allez hop. C'est l'autre là. N'ai plus d'armes, super. Ah oui, non, c'est bon. Ok, c'est lui qui fait tout. Allez, je vais l'avoir. Est-ce que je peux avoir sa petite tête? Bon, apparemment, il faudrait trouver peut-être. Faut trouver quelque chose, je croyais. Où est-ce qu'il faut aller? Alors, ça doit être ça, je suppose. Maintenant, on va doubler notre force. Tout d'abord, on va commencer par. Récupérer de la vie en l'enfant là, hop, voilà, et voilà. Ah oui, d'accord, c'est bon. Hop. Ça, du coup, parfait. Le point faible, bah, c'est tout simplement la lumière du jeu. La lumière, c'est... Ouh. Ça, c'est ce qu'on appelle se faire des coups de dents en deux, mais on peut pas. Attention aux âmes sensibles. Hop, voilà. Attention, c'est qui arrive. Hop. Directement venu nous agresser. Hop, je l'ai même pas bien. Hop, voilà. Ça c'est fait. Hop là, voilà. Je sais pas comment ils ont fait eux. Je sais pas comment. Il y en a certains, ils ont le pouvoir de Darkness. Je sais pas si vous avez. Mais ça. Ils ont réussi à se téléporter, mais je ne sais pas comment. Comme celui-là par exemple. Hop, voilà. Hop, voilà, c'est bon, pour la peine de t'acharner dessus. Hop. Thank you.
Ok, c'est bon, nous arrivons maintenant par ici. Et voilà. Dolph. Putain, je suis content de te voir. Ces types ont déboulé sans prévenir, comme des cafards. Ils sont complètement tarés. Parce que toi, non? Je suis toujours vivant, non? Et ce sera pas le cas de ces fils de pute quand j'en aurai fini avec eux. Tu ferais mieux de monter, boss. Je vais te couvrir d'ici. Je peux encore tenir le coup. Ok, très bien. L'ascenseur est en train de descendre. Personne doit sortir d'ici, Jackie. Jackie, c'est moi, Vinny, tu repars? Putain de merde, boss. C'est le délire total à l'étage. Ta tante Sarah s'est planquée dans ta pièce de sûreté. Faut qu'on monte, vite. Okay. Vous avez qu'à y aller, vous. Moi, je vais monter la garde ici. Ok, très bien. Maintenant, il faut qu'on monte à l'étage. Et vite. Hé, hey, Jackie, c'est la meilleure journée de la semaine. Hop, on va prendre des munitions, les armes et tout ce qu'il faut, et on pourra y aller. Jackie, Dieu merci, t'as pu revenir. On est dans une sacrée merde, mec. Johnny, dis-moi, je veux savoir qui veut ma peau. T'as vu le saut sur l'enveloppe de Swifty? C'est celui de la confrérie. La quoi? C'était les premiers gardiens du Darkness. La confrérie, c'est le saint des saints de toutes les sociétés secrètes. Ils sont sous les ordres d'un certain Victor Valente, un grand prêtre, le roi, quoi. C'est plutôt un méchant, tu comprends? Ouais, je l'ai déjà rencontré. Il s'en est pris à moi avec un engin qui aspirait le Darkness hors de moi. Un seul appareil peut faire ça. Le siphon d'Archimède. Oh merde, je croyais qu'il était perdu à jamais. En fait, j'aurais préféré qu'il soit perdu. C'est quoi ce truc? C'est l'appareil utilisé par la confrérie pour piéger le Darkness. Il a été conçu il y a des millénaires grâce à la magie noire. Il peut aspirer l'essence d'ombre, soit en te l'arrachant, soit en prenant celle qui est déjà dans le corps d'un autre. Le siphon est puissant, Jackie. Et dangereux. S'ils l'ont trouvé, c'est mauvais. Très mauvais. Si la confrérie met la main sur le Darkness... va savoir, mais je suis sûr que c'est pas bon. D'accord, d'accord, je vois le tableau. Écoute, bouge pas. Je vais leur régler leur compte à ces enfoirés. Ok. C'est parti. Maintenant, on va pouvoir y aller. Il faut absolument que l'on reprenne notre manoir. Et à tout prix. Jackie, putain de merde, je suis content de te voir. On les a pas vus arriver. Ils sont entrés dans la cuisine. Boss, mais d'où ils sortent, ces enfoirés? J'ai jamais vu ce genre de type dans le coin. Jackie, faut que tu montes sauver ta tante Sarah. Hé, hey, fais bien gaffe à toi. Toi aussi, Vinny. Sois prudent, d'accord? Allez. Allez, on y va. Ok, c'est parti. Massacre-les! N'approche pas de la lumière! Ok, c'est bon. Là, on va y arriver, les amis. On va y arriver, on va y arriver. Punaise, c'est chaud, cacao. Non, toi, tu me tueras pas. Non! Et la lumière, je suis obligé à chaque fois d'en retourner en arrière. Bah oui, parce que. Je suis presque mort. Hop là, voilà, ça c'est fait. Hop. On va pouvoir avancer tranquillement. Voilà. Hop et voilà.
Hop, et voilà, celui-là, il a mort. Maintenant, il faut qu'on continue. Allez, hop. What? C'est quoi ça? Hop là, et voilà, ça c'est fou. Et voilà. Hop là, direct. Pas le temps, hop. On continue. Ok, par là. Et voilà. Je sais pas ce qu'il veut faire ce Victor là, mais il a tous les hommes quand même. Enfin, il a... Il a, comment dire, il a dû récupérer une partie de Darkness pendant qu'il a... Comment dire, pendant qu'il avait capturé. Hop, ok. Hop là, voilà. On y est presque. Ça y est. Oh, Johnny Lagrave. Jackie, ta tante Sarah est là-haut, dans ta chambre, dans ta pièce de sûreté. Ils sont en train d'enfoncer la porte. Il faut qu'on y aille tout de suite. Là-bas, Jackie, faut que t'ailles sauver ta tante Sarah. Ah, ok, on est arrivé dans le bureau. Je t'en ai... Oh, oh, oh. Ils sont carrément fous, là. Hop là. Voilà. Voilà, ça c'est bon maintenant. Hop, c'est vrai. Et voilà, maintenant. Et voilà, maintenant, il faut aller sauver tante Sarah. C'est parti, allez. Jackie! Jackie, non! Oh, mon petit, tu t'en mettras, tu le sais très bien. Et quand ce sera fait... Oh, oh. Non! Mauvais choix, mon Jackie. Jackie, aide-moi! Par pitié! Réveille-toi. Allez, Jackie, debout. Tout va bien. Voilà, c'est ça. C'est fini maintenant. T'es tombé du lit. T'as passé une sale nuit, Jackie. Hein? T'as pas pris tes médicaments, hein? Fini? Je comprends rien à ce qui se passe. Je suis... Je suis en enfer. Ah, bah voilà autre chose. C'est le Darkness, c'est ça? C'est une sorte de piège. Voyons, Jackie, ne recommence pas avec ces histoires de Darkness, d'accord? Il n'est pas réel, il est dans ton esprit. Quoi? Bon, écoute-moi. Je vois bien que t'es un peu tombé. Tous ces cauchemars viennent de ta maladie. Tu dois nous aider à te remettre sur pied. Voilà ce qu'on va faire. Tu vas au dispensaire, avant le petit-déj, et je dirai au docteur que t'as bien dormi. Ok, bah... Je ne devrais même pas être là! Calmez-vous, monsieur Walker. Ok, d'accord. Putain, qu'est-ce qui m'arrive? Rendez-vous au dispensaire. Ok. Ok, on se retrouve dans cet asile là. Un asile tout simplement pour les fous. Ok. Jackie, le docteur James te cherche. Il voudrait te parler. Tout va bien, tu ne risques pas d'ennui. Va donc le voir dans son bureau. Ok. Je vais essayer d'être clair. Il dit qu'il habite dans une sorte de grand manoir.
Allez, Jimmy? Le docteur James t'attend. Jackie, entre donc. J'espérais te voir ce matin. Je t'en prie, assieds-toi. C'est pas par hasard, Johnny Lagrappe? Je sais plus. Maintenant, je sais que tout ça n'est pas réel. Impossible que tu sois un docteur. On m'a dit que tu t'inquiétais encore au sujet de tes médicaments. Est-ce que tu comprends bien pourquoi tu prends ces médicaments, Jackie? Je suis pas fou. Tout ça n'est qu'une illusion. Si tu sais que c'est une illusion, fais-la donc disparaître. Mais nous en avons déjà parlé. Tu ne peux pas la chasser parce que ce n'est pas une illusion. Tu vois pas ce qui se passe, Jimmy? Le Darkness est dans nos esprits. Tu parles de la voix dans ta tête, Jackie? Celle qui te fait mal agir? Ça te semble raisonnable, ça? Écoute, autant parler de ton problème franchement. Le docteur Vic et moi, on s'inquiète parce que tu changes tout le temps les règles. Les trucs de la mafia, c'est bon pour la télé, mais pas dans la vie. Tu ne diriges pas une famille de la pègre. Tu es un patient de cette institution. Et on veut t'aider à guérir. J'aime pas du tout cet endroit. Pourquoi est-ce qu'on me garde ici? C'est bon, Jackie. T'énerve pas. Le docteur James essaie de t'aider. Eddie! Mais qu'est-ce que tu fais, putain? Jackie, je sais que tu es furieux, mais je veux parler à ta voix normale. Je ne veux plus parler à la voix du Darkness. Très bien. Moi, je veux parler à Jenny. D'accord. Personne ne t'en empêche. Edward, emmène-le chez Jenny. Bien, Jackie. Tâche de garder ton calme, Jackie. Ouais, c'est ça. Cause toujours, docteur. Ouais, et ben c'est chaud les amis. On va voir Jenny, Jackie. Ok, d'accord, on va voir Jenny maintenant. Jackie, je suis ravie que tu aies repris tes médicaments. C'est un signe très positif. Oh là là, c'est vraiment une toute autre histoire là. Le docteur Vic m'a interrogé sur tes progrès. Il s'inquiète beaucoup pour toi, comme nous tous. Jenny, je sais pas où nous sommes, mais je vais te sortir de là. Pourquoi veux-tu me sortir de là, Jackie? Je travaille ici. Je suis là pour t'aider. Oh, pas toi aussi! Pas toi! Putain, mais qu'est-ce qui se passe? Reste calme, Jackie. Tout va bien se passer. Bon, la dernière fois que tu m'as parlé des illusions que tu as ressenties, tu disais que tu étais le chef d'une famille de la mafia et que ta maison était... attaqué par des hommes qui voulaient te voler le Darkness. C'était pas une illusion, c'est arrivé. J'en suis certain. Je sais que ça te paraît réel, Jackie, mais... Jenny, il faut que tu m'écoutes. Je crois que nous sommes en enfer et que t'es prise au piège. Je suis venu te libérer. Je comprends que tu puisses comparer ça à l'enfer. Mais ce n'est qu'un hôpital. Tu dois me faire confiance. Tout le monde ici veut t'aider. Je comprends rien à ce qui se passe, Jenny. Tu étais morte. Je t'ai vue mourir. On en a déjà parlé. Tu te souviens? Quand tu ne prends pas tes médicaments, tu as du mal à séparer la fiction de la réalité. Tu fais beaucoup de cauchemars quand tu sécrètes trop de sérotonine. Tu as l'impression de te souvenir de choses qui ne sont jamais arrivées. Mais... ma famille, mes amis... le Darkness... Jackie, rien de tout cela n'est réel. Je vais préparer un planning avec le docteur Vic. Si tu joues le jeu, on pourra se voir souvent. D'accord? Jackie, ça va? Un planning? Quoi? Jenny, tu comprends pas. T'es en danger! Il faut qu'on sorte d'ici! Tout de suite! Jackie, voilà, non! Voilà, mon gros! Code blanc! Ah. Doucement, Jackie. Mais lâchez-moi! Viens! Calme-toi, Jackie. On va pas te faire de mal. Tenez-le bien. Geronimo! Jenny, ferme-la! Va te coucher! Te dégager, s'il vous plaît. Wow! Cours, Jackie, le... Allez, Jackie! Allez au bunker! Dis-nous, Eva, que je serai en retard! Il court vers la porte! Wow! Par ici. Oh, merci, merci, monsieur. C'est bon. Tant que la lignée continue, le Darkness sera toujours un nouvel hôte. Je l'ai compris le jour de mes 5 ans.
Je me suis réveillé en pleine nuit, avec mon père assis sur mon lit, penché sur moi, avec un couteau dans la main. Je sais toujours pas si ce taré voulait mettre fin à mes souffrances, ou s'assurer que personne ne prendrait sa place. Je veux que ça cesse, Jackie. Jackie, t'es revenue ? J'en reviens pas. T'as dit que le Darkness te laisserait pas mourir, mais je t'ai jamais cru. Ça a mis 4 jours à te retaper quand t'as pris une balle dans la tête. Oh, je deviens fou, putain. Écoute, Jackie, je sais pas comment te dire ça, mais... Ils ont organisé les funérailles de ta tante Sarah aujourd'hui. Putain de merde. Putain de merde. C'est ma faute. C'est ma faute s'ils l'ont tué. Cet enfoiré de Bragg. Après t'avoir buté... Jackie, je suis désolé. Putain, y a tout qui part en couille. Tes gars ont corrigé la confrérie et ils les ont pourchassés. Mais tu sais bien qu'ils reviendront, hein? La confrérie doit pas prendre le Darkness, Jackie. Je les laisserai pas faire. Le Darkness... Le Darkness retient Jenny. Et il veut la peau de cette confrérie pour s'approprier le siphon. Sinon, il la gardera à jamais. Jackie, ce siphon ne doit pas tomber aux mains du Darkness. Il est trop puissant. Avec le siphon, il pourrait te consumer et te contrôler complètement. J'ai pas vraiment le choix. Je ne veux pas qu'il blesse Jenny. Jackie, si elle était pas réelle, hein, le Darkness te joue des tours. Il te fait voir des choses. Non, c'est elle. Je le sais. Je le sens. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je dois aller à l'enterrement de Tanza. Après, j'irai liquider un tas de gens. Sois prudent, Jackie. La confrérie fera tout pour te reprendre le Darkness. Tout. Waouh, eh ben dis donc. Bon, écoutez les amis, je crois qu'on va s'arrêter ici. J'espère que cette vidéo sur The Darkness 2 vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à partager la vidéo si vous souhaitez. Et on se retrouvera dans de nouvelles vidéos les amis. Et je vous dis à bientôt les amis. Ciao les amis, à bientôt. Ciao.